Voilà, je vais vous montrer une technique qui concerne aussi le dos et qui va permettre d'étendre toute la colonne vertébrale. Là, souvent, vont se loger des tensions. Cette technique n'est pas si facile que ça à réaliser car elle demande au niveau des mains un travail assez de fluidité. Regardez, comme si ma main s'enroulait autour de la colonne vertébrale. Et comme la rotation d'un serpent. Donc elle demande de déplacer sans arrêt les poids du coude de la main sur les doigts, sur la paume des mains. Elle demande aussi que ce mouvement soit réalisé avec le plus de fluidité possible. En fait, il faut visualiser que votre main est comme un serpent qui va, comme je disais, s'enrouler autour de la colonne vertébrale. Une rotation assez donc, sinueuse et fluide, le plus possible. Donc je pars au niveau du fessier, je suis dans la colonne vertébrale, un mouvement très sinueux et fluide. Il est vrai que cette technique peut se réaliser surtout quand il y a sans vêtements, c'est mieux.